arbitrer cette rencontre. Il attend le top départ. C'est fait à l'instant. Les brodeurs en vert et blanc face au slow en noir. Est-ce que le slow, Claude, est capable finalement de faire mieux? Ce sera direct. Premier poteau, une déviation, boum! Oh la latte! Sur le tir d'Akichi, la récupération de Peu, c'est pas terminé, Garbi. Garbi encore, Garbi dans ses œuvres, Garbi va ressortir ce ballon à Akichi, Wedra. Ce ballon qui va revenir peut-être sur le numéro 28, qui se faufile, Garbi, tentative de tir, l'arrêt miracle. C'est pas terminé pour le slow, mais en l'espace d'une minute, les hommes de Dionisio se sont créés deux. Garbi encore, un crochet, un deuxième, hop, tentative de tir qui était déviée par Valci, hein, ça pouvait être, mais c'est un tir cadré supplémentaire, et le deuxième tir cadré de Garbi pour le slow dans cette partie, on revoit, il va tirer, et bing. Attention à ce ballon pour Rebels, le centre. L'ouverture du score, le hors-jeu qui est signalé par l'arbitre assistant. Il aurait pu le lever, hein, petit, ouais. Presque à 3 mètres. Mais et puis, on a toujours peur de faire l'erreur. Mais... On a vu 16 190 spectateurs sur les 192 qui se sont levés comme un seul homme. Ah oui, c'est très clair, avec cette image arrêtée. Il n'y a peut-être pas 3 mètres. Hein, mais... Ouais, bien joué. Seul face à Vachou, Rebels, avantage au gardien numéro 74. Y avait-il une position de hors-jeu au départ? Thomas. Oh, Akolo. Et encore une fois Vachou. Deuxième arrêt de Vachou. C'est pas terminé. Bastien Thomas encore par son rebut, tout le monde. Witzig. Il a voulu trop bien faire. Vachou. Par deux fois, Vachou, il est en guirlande. Demain, avec Rebels, il n'y a pas de faute. Demain, Rebels encore, il est puissant. Oh, Vachou! Oh là là, deux fois! Incroyable! Incroyable! Et une position de hors-jeu qui est sifflée. Alors, peut-être sur le deuxième, le premier arrêt, ça ne me semble pas possible. Oui. Incroyable, peu importe. Non, mais incroyable. Sur ce ballon en direction de Rebels. Penalty. Oh là 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 là, 93e, la faute de Poss. Rebels accroché et qui obtient le penalty de la 93e. Ah, il y a la pression du public, je sais pas, faut revoir. Ouais. Hein. Poss n'a pas l'air trop réclamé. C'est... Voilà, je disais la fatigue, vous faites peut-être la petite erreur. C'est parti pour ce penalty. Le but de la 95e minute pour le FC Saint-Gall avec cette réussite sur pénalty de Witzig et toute une délivrance. Toute une délivrance, on voit Peter Zeidler et on comprend cette victoire. Au final, ces trois points-là qui vont être retenus. Mais effectivement, c'est dur. C'est dur pour eux. 97e minute, c'est terminé.